Alors dans le traité des vertus, Jean-Claude Lévy établit une distinction qui est très claire en fait entre la compassion et la charité. En fait, la compassion, il la définit comme une réaction qui est secondaire, comme ce qu'il va appeler de manière assez étonnante un sentiment remorqué, c'est-à-dire à la remorque de la souffrance, alors que la charité va être une forme d'amour beaucoup plus absolue, instinctive, spontanée, qui n'est pas une réaction vis-à-vis de la souffrance d'autrui. C'est-à-dire qu'on va éprouver de la compassion pour ceux qui souffrent, donc une partie de l'humanité, alors qu'on va éprouver normalement de la charité de manière universelle et pour tout le monde.